Vous avez encore besoin de moi, monsieur? Oui, oui, restez là, maintenant qu'ils sont tous partis, nous pourrons peut-être faire du travail utile. Au départ, je comptais faire ce film avec mon père dans son propre rôle. Et depuis la mort de mon père, je cherche qui pourra jouer ce rôle. C'est l'histoire d'un fourreur qui voudrait que son fils devienne fourreur comme lui et qui, 15 ans plus tard, deviendra acteur comme son fils. Selon vous, qu'est-ce que Claude Berry voit en vous qui lui rappelle son père, qui lui fasse faire de vous un fourreur israélite? Oh, je ne sais pas, peut-être une espèce de faconde que j'ai comme ça. Et je souhaite que le succès de mon film permette à d'autres jeunes de pouvoir faire le leur, parce que ça va encourager les producteurs à sortir leur argent. Et à faire confiance aux débutants, aux jeunes, aux jeunes qui ont quelque chose à dire. Bien entendu, j'espère qu'ils ont quelque chose à dire.